Salut Loulou, je suis Delmic, bienvenue dans mon monde. Et on continue le montage de la Mountain avec le numéro 28 et le numéro 29. Et on aura besoin des pièces du 27 pour monter le 28, les pièces du 28 pour monter le 29, et les pièces du 29 serviront pour monter le 30. J'espère que vous avez bien suivi. L'important, c'est qu'on y arrive tous ensemble. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces et on attaque le montage. Numéro 28 de la Mountain. Dans ce numéro 28, hop là, on va attaquer. Donc apparemment, il y a le graisseur, il y a le levier de commande du graisseur. Donc on va attaquer cette partie-là. Et notamment, si je dis pas de bêtises, ça doit être la... J'ai cru comprendre que c'était une partie de la jupe. Bon, bref, on va assembler ça ensemble. Dans ce numéro, donc les pièces du 28 hein, serviront pour le 29. Donc là, il faut se munir des pièces du 27 pour monter ce numéro. Voilà ce que ça va nous donner à la fin de ce premier numéro. Numéro 29, ça va être quasiment la même chose. Ici, les numéros sont prévus pour l'étape 30. On monte le graisseur, il y a des biellettes, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on va venir assembler. Ok. Bon, pas mal de petites choses à faire. Et au final, on va avoir des éléments qui seront de cette façon là. Donc niveau pièces, comme précisé, pour monter le 27 on aura besoin du 20, enfin le 28 on aura besoin du 27, et pour monter le 29 on aura besoin des pièces du 28. On déballe tout ça et on attaque. Dans ce numéro, voilà une pièce qu'on a ici, on peut voir sur le côté, on a une peinture qui a été mise en place, qui a été appliquée, et elle est vraiment au top. Pièce en métal. On a les éléments ici qui sont des éléments... c'est du métal. Non. Si, si. C'est bien des pièces en métal. Deux pièces en métal. Ici, on a un élément qui est en plastique. Et encore une pièce ici en métal. Des vis, FM, des vis, EM. Allez, on attaque le montage de ce numéro. Donc, on prend le premier élément qui est ici. On récupère notre pièce en métal qui est juste là. Et on va venir gentiment... l'enfoncer, alors mettez-la dans le bon sens, hein. De ce côté-là, on l'enfonce gentiment à sa place, voilà ce que ça nous donne, et on va venir mettre une vis FM pour rendre tout ça solidaire. Je vais serrer dans du métal, donc j'ai besoin d'un peu d'huile. Je viens serrer ma pièce. Donc là, ça ne s'est pas enfoncé parce que je pense que le trou n'est pas en face. Alors, on va se battre un peu. Voilà, j'ai entendu un petit clic. Qui devrait, je pense, vouloir dire que ma pièce est bien engagée. Et je viens serrer. Ça, c'est encore un coup à ce que je me blesse. Voilà. Bon les loulous, moi j'ai un souci avec cette pièce, j'ai pas, en fait, le perçage n'a pas été jusqu'au bout, donc cette partie-là n'est pas percée, donc je peux pas mettre ma vis. Donc je ne peux que mettre ma pièce de cette façon-là, tac, la coincer, mais je vais pas pouvoir mettre ma vis pour la faire tenir. Si vous, ça marche, eh ben tant mieux, n'hésitez pas à mettre votre vis et à bien serrer. Moi ça tient pas, ma vis, c'est pas percé ici, donc je peux pas visser ma vis à fond. Cette pièce-là, ceci dit, tient bien toute seule, elle est emboîtée dessus. Je vais la laisser comme ça. Et ben, on va continuer de cette façon-là, puis en espérant que ça ne posera pas de soucis par la suite. En parlant de suite, je viens récupérer ma pièce qui est ici. Là, j'ai mon rectangle qui va correspondre au rectangle qui est juste là. Là, ici, j'ai un petit téton qui va correspondre au petit trou qui est juste à côté. J'enfonce ma pièce de cette façon-là. Le téton est enfoncé ici, et là je viens mettre une vis EM, en espérant cette fois-ci que le trou a bien été fait. Je vais visser dans du métal, hop, je mets un peu d'huile. Voilà, ma pièce est en place, et celle-ci également. Bon, elle a l'air de tenir en place, je vais pas trop la chatouiller. Même si j'aurais quand même préféré qu'il y ait une vis qui la tienne, mais bon, voilà. Donc là, vous avez deux barres. Celle qui va nous intéresser, ça va être la plus courte, ça va être celle-ci.
Là, si vous regardez la plus courte, là, vous avez une fente qui est plus petite que la fente qui est là, qui est un peu plus longue. Donc la fente la plus longue, on va la mettre sur ma droite. On vient récupérer ici la pièce qu'on vient de monter juste avant. Et la fente la plus longue, on va la positionner ici, sur la pièce qui est là. Hop, on enfonce. Et on va venir positionner une vis dessus, une vis FM. Je vais visser dans du métal, donc on va mettre un peu d'huile. Et on va gentiment la serrer. Je ne l'ai pas trop serré, je la laisse mobile, hein, au cas où il faudrait que ça puisse bouger un petit peu. Donc voilà ce que ça nous donne ici. On récupère l'autre côté, la plus longue. On repère également la fente la plus courte par rapport à la fente la plus longue. La plus courte, on la met sur notre gauche et on vient la positionner ici à sa place. Et on va venir de même serrer avec une vis FM. A few moments later. Et voici ce que ça nous donne, voilà, à cette étape numéro 28. Et on va pouvoir passer à l'étape numéro 29. Voilà ce qu'on a au niveau éléments pour le numéro 29, donc pièces fournies dans le numéro 28. Pièces en plastique. Pièces en plastique et petites rondelles en métal. Allez, on avance dessus, on récupère cette pièce qui est en fait le graisseur. Et on va venir positionner à l'intérieur le levier de commande qui est ici, une pièce en métal, qu'on va positionner dans le trou qui est juste là. On va mettre la petite rondelle, ça va être sympa, la petite rondelle qui va être à mettre au centre. Et la vis EM. Alors, petit conseil, quand c'est comme ça, on va préparer notre vis. On va serrer dans du métal, donc on va mettre un peu d'huile. On va directement mettre la rondelle sur la vis. Voilà, qui est fait. Et après, on va aller visser notre levier de commande avec la rondelle. Voilà qui est fait. Là, j'ai serré peut-être un peu trop fort parce que là, mon levier ne bouge plus du tout. Je desserre un peu. Voilà. De façon à pouvoir bouger mon levier. Je pense que s'ils ont mis une rondelle, c'est justement pour qu'on puisse le manipuler. On récupère l'élément qu'on a monté dans le numéro précédent de ce côté-ci et on va venir positionner le levier à l'intérieur de la fente. Ici, on a deux trous qui correspondent au téton qui est là et au trou de la vis. On passe de cette façon-là le levier au travers et on va visser derrière avec une vis AP de façon à ce que cette pièce-là ne bouge plus. Voilà qui est fait, notre pièce est serrée. Et ici, j'ai mon petit levier de commande que je vais venir connecter à la barre qui est juste là. Hop. Enfin, je suppose que c'est ce qu'il va falloir faire. Pour l'instant, il n'est pas demandé de le faire. Donc, je vais pas l'assembler. Je vais pas le mettre dessus. Mais je suppose que ça va sûrement venir comme ça. Et lorsqu'on va bouger la commande de dégraisseur, ça va venir bouger tout le reste. Ok. Je mets ça de côté. On va récupérer le renvoi d'angle qui est juste là. C'est une pièce en métal, très lourde. On récupère cette pièce-ci qui est également une pièce en métal. Décidément, cette collection me surprendra toujours. On le prend avec le petit L qui est visible face à nous. Et on vient assembler papa dans maman de cette façon-là. Là, je viens récupérer l'autre élément ici qui est... j'ai du mal à dire là si c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Ok. Du plastique, là j'ai un téton, là j'ai un trou, donc je viens mettre le téton dans le trou
de cette façon-là. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre deux vis EM. Ok, et il me reste à mettre une vis EM également sur l'axe ici au centre pour venir faire tenir le tout. Je vais pas le serrer trop fort parce que le but quand même c'est que ça puisse bouger. Ok, ça me semble pas mal. Je vais voir pour redonner encore un petit coup. Ok, voilà ce que ça nous donne. Ici, le renvoi d'angle m'a l'air plutôt bien en place. Et voilà ce qui clôture ce numéro double avec cette pièce qui est ici avec le dégraisseur. Hop, et le petit renvoi d'angle. Voilà ce qu'on a sur ce numéro double, numéro 28 et 29 de la Mountain. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce numéro double. Très jolie collection, franchement on en prend plein les yeux à chaque fois. Pas toujours simple à monter, j'ai un peu mal aux doigts, il y a des moments où il faut bien serrer. C'est des c'est des petites pièces et c'est pas toujours simple quoi. Donc soyez agile de vos doigts et puis allez, prenez votre temps, de toute façon personne vous presse pour la monter cette maquette. Les loulous, je vous laisse avec les membres soutien et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à les pouces et les abonnements si c'est pas déjà fait. Je vous ai à l'œil. Allez, prenez soin de vous. Ciao.